Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan 5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papy Gan 5, raconte-nous une histoire. Et aujourd'hui je veux conter l'histoire, enfin l'anecdote, l'histoire plutôt, de comment j'ai eu la Wii U. Ça s'est déroulé du coup à son année de sortie en 2012 et comme je viens de vérifier actuellement, la Wii U est sortie le 18 novembre 2012. Cette année-ci, je rentrais au collège si je me trompe pas, j'avais 11 ans, j'étais en 6ème du coup. Et quand j'ai vu que la Wii U déjà existait, déjà c'était un point, et qu'elle était sortie, forcément du coup je l'ai demandé à mon père s'il pouvait l'acheter. Déjà je vais vérifier son prix d'époque, mais prix de lancement. Parce que bah, je sais plus elle coûtait combien. Ouais, 299 balles environ. En moyenne, ça dépendait du pack, mais on n'a qu'à dire 300 euros pour la Wii U quand même. Hein. Ouais, c'est un prix normal pour une console. Et donc je l'avais demandé, et mon père du coup m'avait dit qu'il allait l'acheter si à la fin du coup de l'année scolaire. Déjà, ça a pris du temps. Hein. La Wii U est sortie en novembre, il fallait que j'attende fin juin, donc ça prenait un peu de temps. Du coup il avait dit que si j'avais des bonnes notes et une bonne moyenne, eh bien il allait apprendre. Ça a été chose faite. J'avais pas forcément. Enfin j'étais encore à cette époque-ci bon élève. Pas que je l'étais plus après, mais c'est autre chose qui a modifié ça, on va dire. Et du coup j'étais toujours bon élève, et du coup bah ça a été fait très facilement. Et donc durant l'été 2012, est-ce que j'ai pu y jouer? Est-ce que j'étais allé en Turquie? C'est surtout à ça à laquelle je pense. Non. Non. C'était en 2013 que je suis allé en Turquie. C'est les années impaires. Donc non, j'étais pas allé en Turquie, donc j'avais bien pu profiter. Je sais plus à quoi j'avais joué. Sûrement Nintendo Land forcément, parce que c'est le jeu qu'on avait acheté. Ou qu'on avait de base, je sais plus. Mais j'avais sûrement dû. Au début, il me semble que c'était tout. On avait principalement joué Nintendo Land. Pour savoir que au lancement de la Wii U, il n'y avait pas de jeu Mario, je crois, où il n'y avait pas encore de jeu Mario. Pareil pour Zelda, Pokémon, faut même pas y penser. Les jeux de lancement de la Wii U étaient assez minces. Et si vous imaginez bien que j'allais pas jouer à Zombie U, hein, voilà. Donc voilà, c'était l'anecdote et bien de comment j'ai eu la Wii U. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un commentaire si vous avez déjà eu la Wii U. Ça a été durant son année de lancement. Est-ce que ça a été plus tard? À quel jeu vous avez pu bien jouer, etc. Ça peut m'intéresser de vous lire tout ça. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pogan 5 et je vous dire enjoy!